Tout au long de l'été, Russes et Ukrainiens se sont renvoyés la responsabilité des bombardements sur le site et autour. Moscou dénonce publiquement jusqu'à 26 bombardements ukrainiens sur la zone. De son côté, Kiev accuse son adversaire de positionner des armes lourdes au sein de la centrale et de procéder à des tirs vers la rive opposée du Dniepr sous contrôle de l'Ukraine. Si début août, le président Volodymyr Zelensky menace de répliquer à ces attaques russes, certains de ses soldats ne l'ont pas attendu. Le 19 juillet, au moyen de drones de petite taille, ils s'en prennent aux soldats russes présents sur le site. Le journal Le Monde commente « L'armée ukrainienne harcèle les forces occupantes jusqu'à l'intérieur de la centrale ». Le 19 septembre, un bombardement russe touche un bâtiment situé à 300 mètres d'un des réacteurs d'une autre centrale nucléaire, Ukraine du Sud, dans l'oblast de Mykolaïv. La Convention de Genève, protocole 2, ratifiée en 1977 par l'Ukraine et la Russie, alors toutes deux dans l'Union soviétique, interdit pourtant les attaques contre des sites nucléaires. Je cite la Convention. Les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales électriques nucléaires, ne doivent pas faire l'objet d'une attaque. Au printemps dernier, l'occupation de la centrale de Zaporijjia suscite les inquiétudes de la communauté internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, demande très tôt qu'une mission d'inspection accède au site. Dans un premier temps, l'Ukraine s'y oppose de peur, officiellement, de voir l'occupation russe de l'installation légitimée par une institution internationale. Au cours de l'été, un accord est trouvé. Le gouvernement de Kiev obtient que la délégation de l'AIEA transite par les territoires qu'il contrôle pour accéder à la centrale. Tandis que le président Zelensky dénonce à de multiples reprises le chantage russe au sujet de la centrale de Zaporijjia, le Kremlin convoque en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée exclusivement à cette question. Les uns et les autres jouent avec la peur d'un nouveau Tchernobyl et l'AIEA fait l'objet de très fortes pressions des deux belligérants. Kiev veut imposer une démilitarisation de la centrale quand Moscou souhaite que l'Ukraine soit dénoncée comme l'auteur principal des bombardements. Dans son rapport, l'Agence internationale demande l'arrêt immédiat des bombardements, sans évoquer l'origine des tirs, et propose l'établissement d'une zone de protection autour de la centrale de Zaporijjia, sans plus de précision. Elle estime que la situation est intenable et constitue une menace permanente pour la sécurité et la sûreté nucléaire, car des fonctions essentielles à la sûreté du site, en particulier le refroidissement des installations, pourraient être touchées. Les inspecteurs de l'AIEA ont constaté de nombreux dégâts à la suite des bombardements. Le toit d'un bâtiment où sont entreposées des barres de combustible neufs ainsi que des déchets radioactifs a par exemple été éventré. Ils s'inquiètent aussi des conditions de travail des techniciens ukrainiens soumis aux pressions de l'armée russe. Zaporijjia ne constitue pas uniquement un enjeu de sûreté nucléaire. La centrale représente un but de guerre à vocation géopolitique. Avant l'occupation russe, les 6 réacteurs fournissaient 20% de l'électricité ukrainienne. L'indépendance énergétique de l'Ukraine se joue donc dans les coulisses du conflit, notamment autour de la question du raccordement électrique de la centrale. Lors de sa visite du site, l'AIEA a constaté que de nombreux bombardements avaient ciblé les lignes à haute tension en direction de l'est de l'Ukraine, en partie occupées par les Russes, ainsi que les stations de raccordement et les transformateurs électriques. Le 25 août, la centrale est déconnectée durant quelques heures du réseau ukrainien et l'Ukraine craint que les Russes ne la raccordent à leur propre réseau. Un détournement d'énergie inacceptable dénonce le département d'État américain. Les centrales ukrainiennes, héritées de l'Union soviétique, étaient jusqu'à récemment connectées au réseau électrique de la Russie et de la Biélorussie. L'information est passée sous les radars des grands médias, mais quelques heures avant l'invasion, l'Ukraine a procédé au découplage de son réseau avec la Russie. Une phase de test décidée plus tôt, mais qui a perduré du fait de la guerre. L'opération a facilité le raccordement du réseau électrique ukrainien avec celui de l'Europe, via la Pologne, en mars 2022. L'idée d'une connexion avec l'Ouest remonte à 2015, quelques mois après l'annexion de la Crimée et le début du conflit au Donbass. Il reçoit le soutien de la France, qui mobilise son gestionnaire Réseau de Transport d'Électricité, RTE, pour aider les Ukrainiens, ainsi que EDF Trading, pour assurer une partie du financement. Un total de 2,6 milliards de dollars en partenariat avec les groupes polonais Polenergia et l'américain Westinghouse. À terme, l'Ukraine souhaite exporter de l'électricité bon marché aux pays européens. L'une des motivations de M. Poutine pour lancer son opération militaire spéciale était en fait de mettre un coup d'arrêt à la volonté des Ukrainiens d'échapper à la tutelle russe sur leur parc nucléaire, un enjeu à la fois énergétique et sécuritaire.
Longtemps après la chute de l'URSS, la maintenance et la sûreté des réacteurs VVER en Ukraine, la fourniture en combustible nucléaire et la gestion des déchets ont été assurées par les Russes. Les pièces détachées des centrales proviennent de Biélorussie, comme pour tous les réacteurs de ce type en Europe. Jusqu'alors, le cycle nucléaire en Ukraine se décomposait ainsi. Le Kazakhstan fournissait l'uranium, celui-ci était enrichi en Russie, qui l'envoyait en Ukraine. En 2010, TVEL, filiale de Rosatom, l'entreprise d'État russe du nucléaire, a vendu pour 608 millions de dollars de combustible à l'Ukraine. Cette dernière est alors le client le plus important de TVEL. Dès les années 2000, l'Ukraine cherche à diversifier ses approvisionnements en combustible nucléaire et à mettre à niveau ses vieux réacteurs de conception soviétique. Les gouvernements issus de la Révolution orange de 2004 se tournent alors vers le groupe américain Westinghouse. Pour ce dernier, les débuts en Ukraine sont difficiles. Le groupe connaît plusieurs défaillances. Au point qu'en 2012, un incident sérieux survient sur l'un des réacteurs de la centrale Ukraine du Sud, équipée d'un assemblage américain de combustible. Le cœur est gravement endommagé. Adapter des combustibles aux contraintes d'une technologie soviétique est une opération délicate qui exige du temps. Après plusieurs essais infructueux, Westinghouse réussit néanmoins à alimenter 6 réacteurs ukrainiens. À la centrale de Zaporizhia, 4 des 6 réacteurs fonctionnent à partir de combustibles fournis par Westinghouse. Ces dernières années, les pressions russes se sont multipliées pour préserver le système nucléaire entre les deux pays. Le prédécesseur de M. Zelensky, M. Petro Poroshenko, avait promis à Westinghouse une part majoritaire du marché du combustible avant de se raviser et de lui accorder moins de contrats qu'envisagé. À partir de 2019, les Ukrainiens, bien décidés à éloigner les Russes de leur industrie nucléaire, changent de ton. Cette année-là, un nouvel accord prévoit une baisse des commandes de combustible à la Russie. Energoatom, l'exploitant des centrales nucléaires en Ukraine, décide de se fournir principalement chez Westinghouse. 2 ans plus tard, tout s'accélère. En août 2021, un accord de coopération américano-ukrainien prévoit la création par Westinghouse d'une usine de fabrication de combustibles nucléaires. 1 mois plus tard, la société américaine et Energoatom signent un protocole d'accord représentant 30 milliards de dollars pour la construction de 4 réacteurs AP1000 en Ukraine. En juin 2022, un nouvel accord est signé. Westinghouse construira en tout 9 réacteurs dans le pays. Discrètement, le groupe américain lance son offensive dès 2018 sous l'impulsion de l'administration Trump qui souhaite que les États-Unis reviennent en force sur le marché du nucléaire civil mondial face à la Chine et à la Russie. Le rapprochement entre l'Ukraine et les États-Unis préoccupe M. Poutine. À ses yeux, il s'agit non seulement d'un affront, mais aussi d'une menace. Le nucléaire est une technologie potentiellement duale, à la fois civile et militaire. Pour appréhender la réaction de Moscou, il convient de revenir au mémorandum de Budapest de 1994, signé par l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi plus tard que par le reste des puissances nucléaires déclarées, soit la France et la Chine. Le document avait amené les Ukrainiens à accepter le renvoi à Moscou de l'arsenal nucléaire présent sur leur sol et hérité de l'URSS, contre des garanties strictes d'intégrité territoriale et de sécurité. Salué à l'époque comme un modèle de désarmement nucléaire, l'Ukraine signant en parallèle le traité de non-prolifération, le TNP, le mémorandum comporte pourtant une faille de taille. Les garanties de sécurité ne sont accompagnées d'aucune obligation réelle de défendre l'Ukraine et aucune sanction ou mesure contraignante n'est prévue en cas de violation du texte par l'un des pays. Or, depuis l'annexion de la Crimée en 2014, une partie des élites ukrainiennes ne cesse de regretter publiquement le désarmement intervenu 10 années plus tôt. Ce débat dépasse les frontières de l'Ukraine. En juin dernier, M. Radoslav Sikorski, l'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères polonais, a déclaré que la Russie avait violé le mémorandum de Budapest et que, par conséquent, l'Occident pouvait offrir des ogives nucléaires à l'Ukraine afin qu'elle puisse défendre son indépendance. 5 jours avant l'invasion russe, le 19 février 2022, à la conférence de sécurité de Munich, M. Zelensky fait référence au mémorandum de Budapest de 1994 en expliquant que si une renégociation ne s'enclenche pas rapidement entre les parties signataires, son pays considérera qu'il n'est plus tenu de respecter ses engagements historiques. Je le cite, « L'Ukraine a reçu des garanties de sécurité pour avoir abandonné la 3e capacité nucléaire du monde. Nous n'avons pas cette arme. Nous n'avons pas non plus cette sécurité. »
Fin mars, lors des négociations de paix entre Russes et Ukrainiens sous l'égide du président turc Recep Tayyip Erdogan, M. Zelensky se déclare prêt à la neutralité de son pays et promet de ne pas développer d'armes atomiques, comme l'écrit le Financial Times, si la Russie replie ses troupes et si Kiev reçoit des garanties de sécurité sérieuses. Le président ukrainien explique « Le statut non nucléaire de notre État, nous sommes prêts à y aller. Si je me souviens bien, c'est pour ça que la Russie a commencé la guerre ».